Les modalités de gouvernance, là, je le sens. Vas-y. Il est là. T'as fait un petit peu accroché après. Non. C'est vraiment ingénieux. C'est un peu une chambre à l'air. Non, mais t'es bon. Que je t'explique. Bravo. Ce n'est pas quelqu'un qui a amené l'eau. Donc personne ne peut s'en prévaloir propriétaire, fût-il un industriel. Même s'il a mené son arsenal, il a amené ses arsenaux pour travailler dessus, mais l'eau demeure pour tout le monde. L'eau chez nous a un caractère très sacré. Est un bien commun qui ne peut être aliéné. Puis partout il y a de l'eau, il y a de la vie. Et voilà, on a de l'eau. Combien? Un litre, peut-être deux? On y va? Oui. Allez-y, on monte. Mi mure matina mi use coinho. C'est assez profond, c'est la première fois que je voyais un vrai puits. On avait vu dans les films. Et là, c'est cool de vraiment sortir l'eau. Puis on voit que ben il y a quand même une différence entre ici à Cotonou et où on habite dans la section aisée de Canavie. Moi, j'ai l'eau courante. Ici, il y a un puits. Et déjà, leur puits est dans leur cour, donc c'est quand même facile. Il y a beaucoup de personnes qui doivent aller comme un puits communautaire pour aller chercher de l'eau et les mettre sur leur tête. Donc on voit que même dans des espaces très proches, il y a des grandes différences entre l'accessibilité à l'eau. Tu fais ça tous les matins? Ah, ça fait des bois. Ça devient plus facile à la longue. Ils sont plusieurs. C'est pas un qui fait tout. Mais je me considère très chanceux d'avoir l'eau courante. Puis, maintenant, je veux plus comme apprécier le fait que j'ouvre les pieds et ça coule. Puis aussi, j'imagine que les gens sont rendus habitués à avoir leur routine de vie. Fait que ça rentre directement dans ça, c'est une habitude. Thank you.